Ben là, il est déjà 11h. Je fais du montage vidéo depuis ce matin. Et là, qui c'est qui revient? C'est le scellé. Il est parti à la pêche ce matin. Alors, mon ami, Peter, quel courage. Et t'as pas dormi de la nuit alors? Non, on n'a pas dormi. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce que t'as pris de beau? Waouh! Je suis allé chercher des poissons pour envoyer ça dans la pirogue de Giguinchon. Ah oui, Oui, il comme repart. ça, mon petit frère, là, Il va il aller va le aller chercher? récupérer, oui. Oh, c'est gentil, Il c'est va aller les super. chercher. C'est super. T'as bien pêché là? Oui, et puis il a pêché encore pour amener ici. Ah ben super, super. On ne t'a pas encore allé au camp? Ben j'ai appelé, ça répond pas. Je t'attends. On ira pour déjeuner, comme prévu. On se prépare, enfin où je me prépare, je viens chez toi là. Toi aussi, tu te prépares? Il est 11h. Oui, je vais aller me laver, Moi tout ça, aussi. je me prépare, et puis On y va vers midi, on y dans va une vers heure. midi, oui. On dit midi? Au midi, oui. Allez, ça marche. Super. Ok, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, c'est les Bouloukane. Kasumaï Basumaï. Bouloukane. Si, Bouloukane. Kasumaï Baré. Yo. Et voilà la vie. Pa, 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 pa. Oui, à midi, nous sommes invités au camp par Hyacinthe, le boss du camp. C'est tellement gentil. Donc voilà, tu connais le programme. Donc je t'explique. S'il n'a pas dormi de la nuit, c'est parce que hier soir, il y a une pirogue qui est arrivée assez tard, vers les 21h ou 22, acheminant des gens qui sont allés à des obsèques d'un jeune homme qui est décédé sur une autre île. Et c'est loin. Et pour revenir chez eux, alors je ne sais pas où c'est chez eux, sur une autre île aussi, ils faisaient une étape ici. Ils ont fait hier soir une étape ici. Ils sont restés là toute la nuit. Et à cette occasion, les dames du village, d'un quartier du village ici, ont organisé un repas, ont préparé un repas géant pour tous les gens de la pirogue, mais c'est environ une vingtaine de personnes, tout ça. Et les gens du village sont allés les accompagner dans leur deuil et toute la nuit. Et chanter, m'a-t-il dit. Et... Alors, ben, j'y suis pas allé parce que les cérémonies de deuil, on m'a dit, si ça avait été un vieux. Ça serait, enfin, avant la cérémonie, donc on m'a expliqué que si c'était un vieux décédé, ça allait être plutôt joyeux. Mais là, c'était un jeune, ça allait pas être très chouette. Alors, est-ce qu'il y a eu des chants, est-ce qu'il y a eu tout ça? Bon, j'ai pas souhaité y aller. En plus, le soir, je suis fracassé. Je sommeille à 10h, je tiens plus debout. Aujourd'hui, donc, on est invité. Comme je viens de le dire au camp, le camp, on va voir, c'est une auberge. Je crois que je l'ai déjà présenté. Mais lui, eh ben, il n'a pas dormi. Scellé. Et il est parti à la pêche à 6 heures. Et à la pêche, donc, comme il vient de nous le dire là, pour amener, pour envoyer du poisson à Ziguinchor. Ziguinchor, c'est la capitale régionale ici, où se rend la pirogue villageoise deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, je crois. Il revient le jeudi et le lundi. Donc, il va envoyer ça à une partie de sa famille qui est à Ziguinchor. C'est cette solidarité familiale. Enfin, cet altruisme familial aussi, mais même vis-à-vis des autres. Hier ou avant-hier, il avait beaucoup pêché avec Jean-Pierre, son fils. Eh bien, on est allé dans le village apporter des poissons à une autre personne qui est aussi de sa famille, parce qu'ils sont tous cousins. C'est tout ce village, ces quartiers, c'est une grande, grande famille. C'est beau tout ça. Découvrir ça, vivre ça et le partager avec eux et avec toi, c'est un réel plaisir. La petite famille du camp Hyacinthe, coucou! Au camp Alouga. On la refait. Donc là, je vous présente Elie, qui est d'où? C'est du poisson. Non, non, c'est du poisson. Voilà. La petite famille du camp Hyacinthe, coucou. Coucou. Qui est cette personne à côté de toi? C'est ma chérie. Ah, ta chérie. Même si dit que je suis pénible. Mais oh non, il m'a parlé de toi la dernière fois, il m'a pas dit ça. Je vais tout ranger, que ça soit propre. Ah oui, il avait un peu la. J'ai laissé la caisse là-bas en fer. C'est fait. Je l'ai vu. Elle a vu la caisse en fer. Tu avais la pétoche la semaine dernière. Voilà. Patron, il n'a pas dormi pendant 3 jours. Hein. Et comment elle s'appelle ta chérie alors? Ah, Valérie. Et qui sont ces trois jeunes gens là? Donc là, je vous présente Elie. Qui est d'où? Non, mais tu peux rester assis, mon grand. Hein. C'est pas les présentations. Qui est ça? C'est
Oui, lui, on le connaît, lui. C'est lui, on le connaît. Ton neveu. Et la petite merveille. Louise, Loulou. Louise. Salut, Louise. Voilà. Et alors, ah ben là-bas, on a Amandine, l'amie de Valérie, qui est au téléphone. Et là, oh là là, que c'est beau. Avec le barracuda que les garçons ont pêché. C'est que j'ai pêché. Ouais. Que t'as pêché le barracuda. Bravo. Ici, là, dans le trou, là. C'est là qu'il a pêché. Oh là. Super, super. On va se régaler. Merci beaucoup de cet accueil. Merci. Seconde partie de la journée avec le grand Manitou de la mécanique ici à New Moon, j'ai cité Benjamin. Et Benjamin qui commence à se pencher sur notre pauvre Mercury qui a complètement déraillé. Le but c'est de le démonter pour voir ce qui cloche et que je puisse racheter les pièces en France. Parce qu'ici, on ne trouve absolument rien de ce qui est Mercury sur la Casamance. Et pour être sûr de ramener toutes les pièces, parce que s'il en manque une seule, le moteur ne marchera pas, vu qu'on ne peut pas la trouver. C'est très simple. Ah, ça va vite, hein. 10 minutes, il m'a déjà mis à nu le moteur. Théo et Jean-Pierre, toujours là, et les manœuvres qui assistent. Qui apprennent, Jean-Baptiste qui assiste, Robert aussi. Il y en avait de l'huile, il en restait. La moitié du moteur est là, et donc le verdict là a changé d'après Benjamin. C'est ici que ça se passe. Ça craque, voilà. Ça craque, et si ça craque, ça vient de l'embase ici. Et roulement là-dedans, voilà. Qu'il faut changer. Là normalement ça devrait tourner sans accrocher, ça devrait être libre. Effectivement, moi. Ouais, donc c'est cassé. La panne, c'est là. Il y a cassé quelque chose de cassé là. Cassé le pignon d'attaque, ouais. Et le pignon avant, d'accord. Le pignon arrière. Ils sont tout cassés quoi. Ils sont tout cassés. Et comment ça se fait? C'est en tapant quelque chose au fond. Oui, il y a un roulement. Ouais. Devant, c'est le roulement là qui est cassé. Mais comment il a pu se casser? C'est quand l'hélice a touché le fond quand... Non, ça. Non. Pourquoi ça casse? C'est lui qui était fini. Ah voilà, plus d'huile. D'accord. Voilà, c'est lui qui était fini. Ça comme ça, arrive, tout ça comme ça? Oui, oui, tu amènes ça comme okay. ça. Parce que sinon les pièces sont minces là, ça va faire. Ah d'accord. Les pièces là avant que ça comme toutes les autres là. Toutes les pièces là-dedans, la malheur.
Et comment tu vas faire là? Tu vas le remonter? Oui, ça, je vais le remonter. D'accord, après. Ok. Je prends mon temps pour le remonter. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon. Prends.